Bienvenue dans la suite de Borderlands 3. On va chercher une cachette de typhon qu'on Dans la avait. cathédrale des Ah dieux bah jumeaux. Et elle est tombée dans le trou. On l'a vu. Ah merde. On fera un répète dessus. Si tu trouves ça génial que bicheton. Je suis pas morte. Mets un pouce bleu. Ça a chargé juste avant que je meure normalement. J'espère. Je suis déjà pauvre alors. Alors j'ai pas perdu de sous. Ouh. Ouh. Alors, c'est par où? Mais c'est pas ici. Plus elle se grousser quoi. Attends. On n'est pas arrivé. Moi je te dis, on n'est pas rendu. Ah le salaud. Elle s'est plantée dans droit. Oh Toloc. Attends, il y a de l'iridium. Il n'y avait pas de point de TP au début du niveau en fait. Oh ça y est, il n'y a pas de TP, il n'y a pas ouin ouin. Allez là. Merci pour le gourde de touche, j'étais encore sur F. C'est dans quoi F? Ah oui, F c'est dans Ghostbusters. Ghostbusters. Ghostbusters, il y a tellement de musique que j'ai absolument aucune vidéo de toutes les parties qui ne peut être monétisée. Pour le moment, je ne monétise rien de toute façon, mais je ne peux pas les monétiser, aucune. À chaque fois, il y a de la musique. Ah. Ouais, ils sont assez forts, forts là-dessus. Le jeu est vraiment bien en tout cas. N'hésitez pas à regarder si vous, si cela vous intéresse ou vous intrigue. Bah là, il y avait une tour radio qu'on a vue en haut. Ouais, non, mais c'est après en fait. Ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est dans un trou sur la droite, non? C'est pas ça? Ouais. Ah oui, non, c'est pas du tout dans ce coin-là. C'est là. Oh putain, ouais, non, c'est pas ce que je pensais. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai un snipe doré. Ah, je ramasse tout et puis. Ouais, pareil. Alors, donc, on retourne sur Micro Tafayo. Si j'arrive à trouver la planète. Et on va donc se TP. Ici. Si j'arrive. J'espère que j'ai choisi le bon endroit. Et sinon, bah, tant pis. Bah sinon, on recherchera encore une fois. Donc là, c'est encore un truc de typhon. Non, là, c'est... On la suite, on reprend la quête. Normalement, on retourne là où on était au tout début. Normalement, on ah ouais, oublié, tout à fait. Ah bah, il y a intérêt. Sinon, ça va chier, hein, franchement. Bon, on va déjà vendre toutes les crottes qu'on a eues. Voilà. Je vais récupérer du verre. Allez, plein de munitions, c'est quand vous voulez. Voilà la nouvelle relation de Typhon. Typhon. Arrêtez de faire trembler. Il y a tout qui tremble. Moi, je prends les explosifs là, hop. Alors, attends, je m'occupe de la quête. Donc, allez, la quête. Trouve-nous la quête. Niveau... Attends, je regarde juste. Parce que la quête. Quête. Quoi, on va faire celle-là. Ça sera la plus simple. Sortons d'ici. Par où qu'on va? Ah, je me suis trompé de touche. Enfin bref, continue vers le pont. Je vais contacter ton équipe pour lui raconter ce qui se passe. D'où il se permet de contacter l'équipe là? J'ai reçu un message incohérent de Typhon de Léon. Une histoire de machine et de quatrième clé de l'arche. Je crois qu'il t'aime bien. On compte sur toi. On va faire le ménage ici avant. Ah
Ah oui, Tern, c'est un des robots de Typhon, c'est ça? Ouais, c'est celui qui s'est barré, je sais plus. Ah, je suis coincé. Où est-ce qu'elle est barrée encore? C'est bon, j'ai fait un petit tour. Moi aussi. Alors écoute, Thurn est un pro des soins. Il a des idées un peu farfelues, mais t'auras qu'à le suivre. Sers-toi de l'interphone et dis-lui ce qu'il veut entendre. Oh, et surtout, le tue pas. Ou bien si. Non. En plus, si tu le tues pas, Thurn te donnera un joli petit bout d'iridium à la fin de chaque séance. Si le gars te donne un cristal, c'est forcément qu'il est sérieux. Bonjour, patient potentiel. Je sais pourquoi le bienfait sera en voie et je peux t'aider. Mais tout d'abord, es-tu dans un lieu centré sur ta conscience? Et veux-tu grandir? J'ai un paquet de problèmes, entre autres choses. Oui, mais ton énergie est-elle bien alignée? Laisse-moi observer ton flux énergétique un instant. Namasté. Je sens que ton environnement de travail est terriblement stressé et que tu as l'impression d'avoir le poids de l'univers sur les épaules. Bah, c'est un peu ça. Intéressant. Ah, je vois que ton énergie circule. Continue de t'aligner. Ça n'a aucun sens. Un peu plus à gauche. Dépêche-toi d'ouvrir cette porte. À gauche, à droite. À gauche, et voilà, à droite. Ton alignement est parfait. On peut passer aux soins. Je t'en prie, entre dans mon sanctuaire. N'oublie pas, c'est un lieu consacré où toutes les formes de vie peuvent coexister en harmonie. Dong dang dong. Ça, c'est le genre d'idée qui rapporte un coup de pied dans les couilles. Ding dong. Ta première séance de diagnostic est gratuite. Puis je facture les suivantes à l'unité, $1,000 par réalignement cosmique. Pour commencer, allonge-toi sur le divan. Je vais aller sur le divan, il est où le divan? Ah, là-bas. Vas-y, allonge-toi sur le divan. Il veut pas? Je ne suis pas en mesure de faire ça. Il peut pas. Ton chemin te mènera où il le doit. Enfin bref, continue. Je voudrais maintenant que tu exprimes ta créativité. C'est un bon exfoliant pour la... Prends cette peinture et acharne-toi sur la toile. Quelle peinture et quelle toile? À là-bas. Allez, petit gars. Oh, je me suis encore touché. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je me suis trompé de touche. Ah, voilà. Oui, excellent. Fallait s'énerver. Maintenant, peins ce que tu as dans ton cœur. Le cœur. Moi j'ai du orange, toi t'as du vert. Ouais. Je vois. Ton chef-d'œuvre m'indique que tu t'es fait piéger dans une boucle sans fin de violence et d'acquisition matérielle. Si peu. Je sais ce qu'il te faut pour briser ceci. Un cadeau magnifique, rien que pour toi. Ouvre donc la boîte de la tranquillité. Une glorieuse récompense. La boîte de la tranquillité. De la merde. Quel grand malheur. Ce n'est pas ce que tu attendais. Et alors, qu'as-tu ressenti? Que tu es un... Moi, je le prends quand même, son truc. Hein. Je le rendrai. Ah bon? Ouais. Tu t'exprimes enfin. Il est temps de démarrer ton traitement. Écoute-moi bien. Tu dois me faire entièrement confiance pour que le traitement fonctionne. Tu as interdiction totale d'utiliser la violence. Oh là, peut-être. Je préfère être bien clair. On ne peut pas emprunter la voie de la guérison main dans la main tant qu'une barrière reste entre nous. Je vais abaisser ma garde et toi aussi. Ne me tire pas dessus. J'insiste sur ce point.
N'emploie surtout pas la violence. C'est pour ton propre bien. Pourquoi il m'attaque moi? Je pensais qu'il allait t'attaquer toi, je restais bah, loin. Bah, je sais pas. Ah, il allait vraiment nous attaquer, nous frapper dessus? Oui, moi je restais loin, je me suis dit, ah, c'est bon, t'es à côté, il va t'attaquer. Bah, puis moi je venais avec ma bête, faut pas l'attaquer, c'est un vrai truc et tout, et puis il y a ma bête à côté qui dit qu'il va l'attaquer. Rien compris. Tu n'as pas entendu le signal? Turn a eu droit à sa fête. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'il est énervant. Enfin, était énervant. Allons-y, petit lapin biscornu. Fusil à pompe. C'est pas un fusil à pompe? Ah bon? Non, c'était un fusil à pompe qui lançait des trucs comme ça. Bon, je suis triste qu'il soit mort. Mais au moins, les données sont sauvées. Bon débarras. La seule chose d'utile dans ces cristaux, c'est qu'ils font de très bons chronomètres. C'était une question de survie, le piaf. Quand est-ce que tu vas te décider à prendre les choses au sérieux? Jamais. Ça sert à quoi de vivre s'il faut toujours tout prendre au sérieux? J'abandonne. Ensuite. On va chercher un petit véhicule. Où elle est partie encore? Elle part. On sait pas ce qu'elle fait. C'est incroyable. Attendez, j'ai un petit problème. Oula, elle a un problème. Dans elle a pas mis sa. Elle a pas mis sa culotte à l'endroit. J'ai pas mis ma carte, surtout. Windows, il a du mal des fois à couper le truc en deux. C'est chiant. Mais non, ça marche très bien, c'est psychologique. Ouais. Bah Robert, t'étais mort? C'est bon, j'arrive. Et Robert? C'est qui Robert? Ah bah il était par terre, il est mort Robert. Ah mais d'accord, toi t'as un véhicule, personne. Non mais vas-y, prends un véhicule normal. C'est pour rigoler. Il y avait le fucking cube. Le fucking cube. Oh yeah. Nous l'exploiterons plus tard. Oh, c'est énervant. J'affiche un peu la carte. Wouhou. Ça c'est du pilotage. Ah merde, c'est où qu'il faut aller? Ça y est, on est perdu. On a bien assez foutu. Le game c'est est mort. Pas, hein. C'est pas par là. Qu'est-ce que. Ah. Je nous ai amené à un véhicule. Par contre, j'ai un petit problème. J'ai pas de marche arrière. Ça marche pas la marche arrière. Bon bah, je descends. Ah, ça y est. Ouais, ouais. J'arrive à. Bah il est censé être tout ce véhicule. Il est dedans, faut taper les. Ah bah. Ah les racines, d'accord. Voilà. C'est un cyclone. Ah un coffre. Avec des pistolets. Ouais, alors on se calme les petits bleu. Je te rejoins. J'arrive. Ah. Bah non mais l'autre avait pété en fait. Ah. Ça va, il est là-bas l'autoloc. Oh puis attends, il y a même un coffre et tout là. Elle me dit pas qu'il y a des coffres. Bah si, je l'ai dit. Oh là 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 là, puis il faudrait que j'écoute en plus maintenant, elle se plaint.
Moi j'en peux plus, hein, c'est pas facile. Ah, Montaccord. Montaccord. C'était un Montaccord. Bon, oui. Yeah. J'ai pas du tout regardé la carte, alors je sais pas où faut aller. Le quoi? Que cherches-tu? Que cherches-tu? À droite. Ouais. On va taper des gardiens. J'aime pas les gardiens. Quand tu poseras le piège à énergie, les gardiens des environs deviendront agressifs. Alors pose le piège et prépare-toi. Apparemment, il y a un enregistrement tout au bout du bout du bout. Il est derrière un gros trou. Je me mets en chasse. Ah oui, il est là-bas ton enregistrement. Je vais le chercher. D'accord, bon. Bah, tu me dis s'il y a un coffre. Ou pas. Avec des petits trucs de munitions. Ouais, ça a l'air d'être que des trucs de munitions. On a mis un piège, Ghostbuster. Un régal. Un suprême, le chocolat à la pomme de terre. Un régal. Ça n'a aucun sens. Les spectres, c'est dans Destiny, ça, les spectres, non? Il me semble que c'est le nom des... Ah, ou non, c'est pas Destiny, c'est l'autre truc. Non, ça s'appelle un truc gratuit. Bah, Destiny, c'est gratuit, maintenant. Oui, mais un autre, qui a rien à voir. Comment ça s'appelle? Oh, ça va me revenir. Récupérer la boîte. Bravo, bravo! Maintenant, il me faut des pièces de véhicule Maliwan. Le stabilisateur d'un cyclone et l'absorbeur de choc d'un baroudeur, ça devrait suffire. Je suis pas mal, hein? Il en demande, le mec. Je me mets dans le bon sens pour repartir. Bon, je te laisse manœuvrer tranquille, tu sais. Donc il faut taper un cyclone et un bar. Cyclone! Là! Je sais pas comment tu fais, chasseur de l'arche. Mais je suis content d'être de ton côté. Ce n'est pas parce que toi, tu es naïf et pleutre que tout le monde est comme toi. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Reviens me voir. Canon. Ah, boire un petit canon, c'est bien. T'as fait yo. T'as fait yo. Installe les pièces que tu as trouvées et pose le piège à énergie près du prototype. Prototype.
Piège à énergie. Cause, Buster. Lol. Notre canon des ténèbres attend. Il est magnifique, toutes ces ténèbres et ce canon. Ton paiement, chasseur de l'arche. Mais ben alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as un beau canon tout neuf, non? Qui apparaît. Ça nous tue des gars de Maliwan, espèce de force de la nature. Espèce de force de la nature. Donne-moi la quête, toi. Pour découvrir l'origine des tremblements. Les balises. Ouais, moi je veux les explosifs. C'est mieux. Voilà. Je savais qu'on les prendrait. Évidemment. La balise. Oui. Encore deux autres. On doit trianguler les balises pour découvrir la source. La balise. Ah. 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 D'accord. Oui. Ah bon? J'avais un doute. Il est fort. Ouais, franchement. On va tous mourir. Triangle. Bah qu'est-ce que tu fais? J'ai des doutes, mais c'est pas grave. On a récupéré pas loin d'ailleurs. On arrivera dans des autres surprises. Pourquoi il me dit en haut? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je suis descendu parce que je comprenais rien ce que tu disais. Je sais pas. Comme ça, je regarde ma carte aussi. Bah, la quête à récupérer, oui, elle était en. Je pose la balise là. Bon, pose la balise. Y'a rien d'autre à faire que poser la balise? Bah, non. On est déjà venu en plus ici. Ouais. Bon, je vais chercher, la quête à récupérer. Si le piaf était aussi doué que toi pour la survie, ça fait longtemps qu'on aurait dompté cette planète de malheur. Je suis un pro de la survie. Allez. Tu es littéralement en flamme. Oh merde. Mais c'est pas vrai. Tu as bien aimé. C'est bon. Oui. On peut y aller. C'est là ou pas? Première vue. Engin de délabrement. Ouvre tes chakras. Y'a du brouillard. Nécrotafé yout, nécrotafé yout. Ici, rien qui en sort. Moi, je regarde la carte s'il y a des trucs dans le coin, mais. Tu vois rien? Non. En fait, il y a une cachette de typhon, mais on n'a pas tous les éléments, donc c'est pas pour tout de suite. Ça reviendra ici, de toute façon, je crois. Donc,
Il faut qu'on aille placer des explosifs. Boum boum. La cachette de Typhon, elle est par là où je vais? Peut-être. Mais je te dis, on reviendra. Ouais, mais attends, j'ai le droit de me balader un peu là. Ah, il y a des... Non, c'est que des munitions. Ah non, en fait, c'est moi qui suis parti vers la cachette, je crois. Tu as cacahuété, petit Nem, tu as cacahuété. Du oui, verbe tout que... cacahuète. Ouais, parce que j'ai des ennemis qui m'attaquent. Puis t'es loin. Bah, moi aussi, il y a des ennemis. Hein. Non, c'est moi la cachette de Typhon. Et il y a des putains d'ennemis. En même temps, j'ai envie de dire, on n'est pas si loin l'un de l'autre. Je te vois, t'es de l'autre côté du pont. Ouais. Non. C'est pas vrai. Moi j'ai pas de meilleur chemin, c'est tout. Ah non, c'est pas ça le truc de Typhon, bah, je sais pas où il est. En plus, il me raconte des bêtises. Bah, y a un truc bizarre là, ça servira pour plus tard. Mais oui, on revient ici. La passion de la chasse. Faut qu'on aille placer les. Boum boum. De toute façon, la cachette de Typhon, quand elle est débloquée, elle apparaît sur la carte. Ça, c'est pas mal. Aussi. Ah oui, c'est le chemin qui est là. Ok. Bon. Il y a un truc à l'intérieur. Oui, mais ça, on ira après. D'accord. Il va pas, c'est... D'accord, je vais pas dedans, je reste dehors. Oh là là. Bah non, mais c'est l'autre quête qu'on a en fait et on l'a pas débloqué. L'autre quête qu'on a mais on l'a pas débloqué. Et attends, je attends, il y a une quête à ramasser là. Ah. Donneur de mission. L'épreuve de suprématie. Je te laisse remettre la bonne quête si besoin. Ouais, d'ailleurs, je vais juste la chercher. Ramasser la cartouche. Tout la cartouche. Faut ramasser la cartouche. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc ici. Cube. Par des espèces de portails à Rieck. Et blablabla, histoire. Bon, trouve le premier point d'accès au portail pour lancer la partie. Faut que je fasse demi-tour. Du coup, nous, on voulait aller placer les explosifs. Où es-tu? Je te ramasse. Ramasse-moi en route. Je sais pas où t'es. Ah. Au cube. Trouve le cube. Je suis là. Ah merde, c'était tout. Putain. En fait, qui veux-tu que ce soit, franchement? Bah, je regardais les ennemis au loin dans les véhicules, alors. Je sais pas si c'est bien par là le chemin. Ça y est, elle nous a paumé là. Bah, non. Là, t'es dans le contresens. Non, non. Oui, c'est ça. Mais je faut lui raconter un peu n'importe quoi, sinon elle est trop sûre d'elle, et puis après elle fait oui, mais tu comprends, machin. C'est n'importe quoi. Pour ça, bien lui dire un peu de la merde de temps en temps. Boum! Boum! Jusqu'au silence total. Ça donne un peu l'impression qu'il est parti
Mais il est méchant. Ouais, ça derrière. On va voir ce que vous cachez. Même moi, tu vas pas me tuer, hein? Pas si tu remplis bien tes protocoles principaux. Ils sont... Garder notre environnement de vie propre et bien rangé. Ah, mon perso aime pas la radioactive. Alors attendez, je regarde un peu la carte. Ah oui, on est en dessous d'un truc dégueu. On est là-bas. Alors apparemment, il y aurait un claptrap dans le coin. Non, il est plus loin. Non, je rien dit, il n'y a pas de claptrap. Elle nous dit de la merde en plus. C'est pas facile. Hein. Pardon, pardon. Là, il y a un truc. Ouais. Voilà. Nous vivions côte à côte avec les Iridiens, même si l'oubli avait déjà commencé. Nous ne les craignions pas, et eux non plus. Nous étions admiratives, et eux empreints d'une certaine tristesse. Ils n'ont jamais dit s'ils connaissaient leur sort. Mais ils n'ont jamais dit non plus que nous avions le choix. C'est une sirène qui parle. C'est Zazette la sirène. Bonjour, je suis Zazette la sirène. Alors comme ça, c'était pas Maliwan. C'est ça qui provoquait les séismes. C'est quoi? T'es trop avancé, du coup, je sais pas moi. Ah non, 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 non. Ah bon. Je me demandais où c'était passé. Hop. Et hop. Bip, bip, bip. Tu devrais te rapprocher encore un peu. Tu vas pas te poiler, biche. Je te poile, tu me poiles. Bon dégât, je plonge. Oh. Ah bah je suis coincé. Ah. Il n'y a pas une radio DDA là dans le coin là? On entend les trucs des DDA là con. Non. C'est bizarre qu'on les entende là. Allez. C'est bon. Allez, petite cacahuète. Parlez au serin. Au moins ça je connais le chemin. T'es sûr? Parce que tu t'es encore trompé de chemin. Hein. Bienvenue ma fille. Bienvenue ma fille. Putain, il y a une flèche qui me suit, qui suit ma flèche sur la carte, du coup j'ai peur. Ah, mais que se passe-t-il? Ah. On ne sent plus de nécroséisme. Merci, chasseur de l'arche. Notre survie est assurée.
Pour le moment. Je sens la mort. Je sens la mort sur toi. Tu devrais prendre un chewing-gum. Are you a chewing-gum? Je stocke des trucs dans mon coffre sur ça, plus rien après. Allez, c'est moi qui conduis. ouais, sauf que t'as pas la bonne quête alors. C'est pas grave. Voilà. On va plutôt faire celle-là. Voilà. Oula. Si on peut même pas rigoler. Ah bah il y a une tour juste à côté, tiens. Un bec. C'est pas par où je suis parti ? Ah si. Méfie de la biche. Juste à droite. Je sais pas où t'es parti. Deux. T'es parti à droite ? Non, je suis là moi. Non, mais là il y a un truc. Aïe, arrête. Là il faut escalader. Ah bah c'est là, je te disais, il y avait une tour machin, c'est dans ce coin là. Non, c'est pas du tout ici qu'on est passé. Oh mais tais-toi, elle me fatigue. Oh là 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 là. Par ici ma fille. Voilà. J'ai pas vu de coffre à part des munitions. Ouais. Bah il est où le baroudeur? Le baroudeur? Le baroudeur, elle est là, le baroudeur. Putain, elle a pris la place conducteur. Le baroudeur, tu me le feras pas la prochaine fois, toi, attention. Alors. Mais bon quoi, pour aller tout droit, il n'y a pas besoin d'une carte. Il n'y a pas besoin d'une carte. Bah non, là c'était tout droit. Là. Oh merde, franchement ce jeu est impétuable. Oh salut héros, viens te parler pour commencer ton aventure. Ok, très rapidement un peu plus de contexte. Voici l'ensorceleuse Lanachette. Elle peut fermer les portails grâce à ses pouvoirs magiques. Mais tu devras l'escorter pour qu'elle survive. Oh, t'es pas mal. Elle est partie. Allez, traîne pas trop. L'ennemi attaque. Oh. Non. Je vais me volatiliser. Venez-moi en aide. Pardon. Garder à l'intérieur. Oh, pardon. Oh. C'est la qualité de ce truc là, ça m'a. Ouh. Ça m'a fait tout ça. Cette quête là. C'est là que ça devient vraiment son art. Pour une somme modique, tu peux acheter un dardard, un bonus qui fait marcher la nappe. Tu trouves pas ça exact? L'ennemi attaque. Je vais recharger mon arme. J'aurais osé miséricorde. Miséricorde. Je viens de péter le budget de Maliwan. Miséricorde. Protégez-moi. Moi. C'est bien, ma fille. Miséricorde, je me fais attaquer.
C'était magnifique. Mais il paraît, c'est le remake de, du jeu 13 en fait, donc ils l'ont refait avec Unity, mais. Et ils ont été très vite pour le faire, il paraît qu'à des moments les personnages, bah en fait tu les croises, ils sont comme ça. Quoi. Oui. Miséricorde. Arrêtez-la, héros. Ça coûte qu'une pièce alors. Ouais. Biche, elle est à fond là. De quoi? Non, je sais pas. La merde, on va ressusciter. Je me meurs. Là, on a les monstres en vrai et les monstres dans le jeu. Grâce à ces trois répliques différentes, t'avais. Mirabelle. Non, elle s'appelle pas Mirabelle, bien. Je me fais attaquer, mais y a pas d'ennemis. Oh là, y a même un bruit. Le bruit de toi dans Serious Sam 2 pendant un chargement, hier. Ouais. C'est bloqué, bloqué. Je me fais attaquer. Attends, je vérifie juste un tout petit truc. C'est bon. Je me fais attaquer. Merci pour ton achat. Protégez-moi. Moi. Oups. Doit y avoir un petit bug d'orientation. T'en fais pas. Où est le baril? Ça va se régler dans deux secondes. Ah d'accord, d'accord. Ah oui. Bah alors, mon gars. Protégez-moi! Ça, la vidéo avec les effets qu'ils font sur l'écran, là, ça va être immonde. On l'a déjà eu une fois. C'est juste dégueu. Puis c'est là que je suis content d'avoir un truc de protection des, de la vue là, sur les écrans. Là. Putain, c'est quoi ce vol? L'ennemi attaque. Protégez-moi. Je pense que tu finis cette quête et tu continues à l'entendre encore un coup. Ah, je te jure. Arrêtez-les, héros. Ouais. Nous devons fermer ce portail. Riette. Merci d'avoir essayé une de nos passionnantes missions de destructeur des mondes. Ah, elle a un genou de pli hein, quand même pour les escaliers. Dirige-toi vers le prochain point d'accès au portail
Et c'est là qu'on va rentrer dedans. Ne me réponds pas surtout. Ouais, mais si, c'est bon. J'ai répondu. Ah là 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 là, cette biche. Mais cette biche, incroyable, incroyable. Que tu as mangé ça? Oula, on dirait qu'un nouveau portail est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas, j'ai appuyé sur un truc. Oups, c'était pas prévu. C'est des cristaux. Oh là là! Portail Riette. Riette, Riette du Mans ou. Merci d'avoir joué cette mission captivante de destructeur des mondes. Mais Ractacom essaie encore d'envahir notre dimension. L'affrontement final arrive avec de nouvelles opportunités de microtransactions. Tu aimes les microtransactions? Quelle grosse merde. Non, parce qu'il y a... Les Héridiens n'étaient ni des dieux, ni des démons. Leur peuple était simplement doté de capacités... Je suis monté en haut. Oh curiosité, ils ont abattu... T'en vas pas, quitte pas trop le coin, là, il y a un super coffre, là. Puis là-bas, il y a un coffre Héridien. Oh comme la forêt qui s'étend jusqu'à prendre... Tu as vu où j'étais? Pas du tout. Je suis passé par là. Et maintenant je vais aller de l'autre. Du verre. Parce que t'as vu, il y a un super coffre Héridien dans un coin là. Ouais, j'ai vu de l'autre côté. Mais alors pour l'atteindre celui-là. J'ai réussi à monter là tout à l'heure. Calcul en cours. Ouais, j'ai réussi. Montrez-moi ce qui s'y cache. Ah bah t'es là. Du verre. Oh là là, madame le verre. Allez, on va aller taper Ragnagog. C'est ça le nom. Ragnagog. Putain, moi c'est quand tu seras prêt pour le combat ultime. Nous y sommes. Catastrophe. Malgré tous nos efforts, Ragnagob essaie de franchir ce portail vers notre monde et blablabla. Arrête-le, le cabal. Modèle temporaire. Mais on va bientôt le remplacer par un truc super chambé. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a un coffre Héridien dans le fond. Ah, et du verre et du verre. C'est pour toi ça? Du blanc et du verre. C'est le pire en pire. Cette réactivation des ennemis là est magnifique quand même. Ouais. On s'en doutait à peine, mais voilà quoi.
Tu l'avais fait ce truc là? Ah ouais. Attends-moi, j'arrive. Attends, je regarde juste laquelle qui nous reste. Elle est à côté ou pas? Pas du tout. Bon, on va aller rendre la première déjà. Bah, elle m'a rendu. Ah oui. Bon, bah, je sais pas. Mais elle, elle se passe où? Attends. Si elle se passe là. Mais il me l'a... Ah si, elle est là-bas. Je sais pas pourquoi il m'avait affiché un truc. Bah non, il m'a remis la quête principale. Ah, j'ai rien touché. Ah non, j'ai rien touché. Là. J'ai la vidéo en preuve, je n'ai touché à rien. Et ça m'envoie sur Sanctuary pour cette quête-là, c'est chelou. Bon, on va faire la quête principale. On va juste aller au bout là-bas. Formidable. Pour une créature minable. Minable. Histoire de montrer tout là. C'est quoi ce truc? Ça, c'est une patate. Non, mais il y a un truc bizarre là. Faudra revenir plus tard. Bah, je sais pas, il y a un support avec une boule rouge qui tourne. Hop là! Alors, autolock. Autolock, c'est de la triche. Oh là là. Oh là là. Pardon. Il y en a partout aussi. Maliwan. Moi je dis rien, mais j'étais plus vite à pied. Ouais, moi j'ai fait un détour, hein. J'ai pas foncé direct. Ouais. Attends, parce que ici on a pas mal de choses. Je suis le général Daniel Trent. On a une tour radio, un véhicule. Ah bah c'est tout en fait. Tyrin Calypso m'avait prévenu que tu finirais par arriver. J'avais appris à Sammy à se battre, mais toi, tu lui as appris à mourir. Et maintenant, c'est moi qui vais t'apprendre à mourir. Je veux dire, je sais pas si c'est très clair. Biche est arrivé. Nous sommes arrivés dans la zone de tâche. Parce que... Pistache. Ils sont plus durs à tuer que dans le jeu vidéo, les ennemis. Hein. Et ben ça fait mal. Ah bon? Non, je déconne. Je vais essayer de faire le véhicule. Ah oui, non, faut aller là après, c'est chiant. Bon, moi je me balade et je fais du massacre. Bah, je vais aller vers là-bas de toute façon. Fais le véhicule si tu veux faire le véhicule. Y a la tour. Ah, j'ai trouvé une tourelle. Il n'y a plus d'ennemis, mais j'ai trouvé une tourelle. Tu m'as manqué, ma fille. Je sais pas comment je dois monter là-haut. Ouais, alors ça suffit de me tirer dessus, je vais bientôt mourir là. Ah non, tu vas pas mourir. De l'iridium. Impossible à briser. Je veux enfin vous briser. Bon, je vais taper les ennemis et puis on en reparle après. Mais t'es barré où?
Moi, j'ai pris un tout petit chemin dans la zone. Ah. Faut regarder ta carte. Ouais. Je sais où est le véhicule. Je sais où est la tour, mais j'arrive pas à grimper pour atteindre la tour. Bah déjà, faut faire le ménage. Ah bah voilà, tout à l'heure, j'arrivais pas à rentrer là. Ah bah voilà. Ah là 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 là. La merde, il y en a trois. Bon, comment on faisait ça déjà? Une chasse réussie. Oh, c'est bon, j'ai pété les trois là, pourquoi ça marche pas? Ah, faut faire les trois en même temps en fait. Oh non, c'est nul. Enfin, presque en même temps, il y a un petit délai. Il est où le troisième? Au milieu. Ah voilà. Vite, 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 c'est bon, je suis passé. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir scanner ça dans le système autolock. J'étais dessus, je me dis, c'est bizarre, j'ai fait les trois, ça marche pas. Voilà. Balance des décharges électriques quand on voit ton boost. C'est lourd. Lourd. C'est lourd. Faut que je me retape tout le trajet. Attends-moi. Bah, je suis encore dans la petite zone. Hein. Alors, tu aurais peut-être pas dû faire ce que j'ai fait là. Tu vas devoir faire tout le tour. Je ne sais pas. Attends, j'essaie de remonter dans la map, voilà. Je suis retourné dans la map parce que avant de faire alors, ouais, des conneries. Non, non, je suis dans la zone, je suis dans la petite zone. Là, il y a un truc qui descend, je vais aller voir ce qu'il y a. Ça mène pas où faut aller, donc je peux y aller. Ça mène pas où faut aller. Magnifique phrase. Oui, mais c'est parce que si tu vas là-bas et que tu sautes, tu débloques un bonus exclusif. Ça marche pas, zut. C'est bizarre. Je me demandais ouais. Où c'était passé. Bah allez. Attends-moi. La vraie chose. J'arrive. C'est parti. C'est ténébreux. On nettoie la zone avant d'avancer. Hein. Oui, oui, oui. Fais le tour en fait pour l'afficher. Ça m'a l'air bon pour moi. Ah, une cassette, attends, j'ai une cassette. J'essaie de faire bonne figure, mais je suis pas comme ça, moi. Je veux dire, si je me suis engagé dans l'armée de Maliwan, c'est juste parce que mon père a dit que ça ferait de moi un homme. Et je me retrouve là,
avec cette grosse armure et ses énormes lance-flammes, alors que je suis complètement dépassé par ce boulot. Regardez où on m'envoie. Un cauchemar alien. Et c'est peut-être la dernière chose que je verrai. Moi, tout ce que je veux, c'est un bon canapé et un gâteau. C'est trop demandé ? Un canapé et un gâteau. Un gâteau. Il n'y a ni canapé ni gâteau sur cette putain de planète. C'est cake is alive. Et quand bien même il y aura un canapé, il essaierait sûrement de me bouffer. Et si ça, c'est pas faux. Il essaierait de me bouffer aussi. J'en peux plus de cette planète de mort. De mort. Allez. Dans le trou. Dans le trou. Ah bon. Bonjour, bonjour. Il y a un paquet de Maliwan par ici. Je compte sur toi pour lui renvoyer d'où ils viennent. Nom d'un granola, quel combat ! Nom d'un granola. Bien fait pour vos gueules. Bien fait pour vos gueules. C'était que des soufis. Il y aura une quête à ramasser après le portail jaune. Ouais. Des élites de quoi ? Ah, comment on ouvre la porte déjà ? Bah déjà faut tous les tuer. Ah, je sais pas, ils, comme ils étaient apparus derrière la porte, j'ai cru. Ha ! De mon temps, les bandits coupent les champs de force plutôt que de sauter par-dessus. On dirait que tu vas devoir détruire le générateur de l'autre côté. Tu passeras pas ce champ. Oui, bah je sais comment il faut faire. Active la quête ! Le Massacrator 3000. J'aime le nom de cette quête. Tu vas payer pour ce que t'as fait à mon petit frère. Ok. Il a détruit le pont. Mais quel salopard. T'en fais pas, il y a un autre moyen d'accéder à l'arche. Mais ce sera beaucoup moins facile. Ah, le salopard. Ça me change un peu de ne pas être tout seul. Ça doit faire des années que j'ai plus parlé à un être humain. Je me suis craché ici il y a des décennies, et depuis, je vis coincé à l'écart de tout. J'ai dû être pas mal créatif pour survivre ici. Tu veux que je te dise mon secret ? Facile, je suis super malin. Comme je dis toujours, c'est bien d'être malin, mais aussi d'être petit. Tu passes partout, mais le top du top, c'est d'être moche. Personne te calcule, c'est parfait pour s'infiltrer. Ça s'infiltrer, ça me connaît. Depuis que Maliwan est là, je leur pique plein de trucs. Et j'espionne tous leurs échos. Ils font du bon matos, mais niveau sécurité, zéro. Enfin, si on est malin. Salut toi. Von dit que tout Pandore gigote comme un skak qui ferait des cauchemars. Pas de nouvelles de Tyrese, mais on surveille ses arrières. Et ça tombe bien, c'est ton meilleur profil. Dites-moi. Je peux c'est beau. Si l'occasion se présente, demandez un autographe de ma part à Typhon de Léon. Où est-ce que je suis partie, moi ? Je sais pas, je te suis. Pour mes recherches. Bah, t'es revenu. Donc, c'est pas du tout par là. Ah oui, Massacrator, oui. Oui. Non, mais je me perds avec toutes les quêtes qu'on a. La quéquette ? Le Massacrator 3000, c'est un truc avec Torgue, je crois. Tu peux pas te cacher ? Ça m'étonne de ouf. Si, tu peux, mais je te retrouverai depuis mon vaisseau, qu'on soit bien clair. On a une super vue de là-haut. La vue, c'est ça mon meilleur avantage. C'est comme l'oiseau. Pout, pout. En chasse. Je vois des trucs là-bas, je pense que c'est ça. C'est un ennemi.
Non, en fait, t'es venu en véhicule. Et en plus, tu me coinces. Je peux pas rentrer. Bah, détruis le véhicule. Ah, je peux même pas le manger. T'arrives pas à le péter? Bah, je l'ai bougé. Ça, les une pinata festive est arrivée. Elle est où, la pinata festive? Non, tout mon cul. Elle est là. Non, faut pas tirer dessus, faut donner des coups au corps à corps. Bah, je tire pas dessus. Ah, c'est les autres qui tirent. Donc, c'est je sais les pas. Ennemis. Quoi. Après, faut ramasser tous les sous. C'est bien les pinatas festifs, ça fait des sous. Ouais, parce qu'on est pauvres. Hein? On est pauvres. Ouais, de ouf. Attends, y'a un point de compétence que j'ai pas signé. Eh bien, d'accord. Merci. Alors attendez que je regarde, c'est là qu'il y a un claptrap, il doit être à peu près là, je vais mettre un petit repère. Repère. Un petit... Père et repère. D'où vous me tirez dessus? Moi je suis juste venu pour les loot. Vous êtes tous faibles! Et mort. Faible et mort. Rapide. Et dans quelle position? Non, mais c'est une impasse. Mais il était où donc laptop? Là, dans la plante. Ah là, ok. Non, j'étais trop loin. Ah oui, d'accord. Allez. Et ça, c'est pour mon petit frère Sonny. Tada! Moi, ça me dirait bien une glace. C'est bien un brico framboise. Ah ouais. D'accord. Allez, remue ton petit cul héroïque. Petite patate. Ah, il y a un tunnel là. Enclenche pas le TP, il y a un tunnel magique. Bah, ça rejoint de l'autre côté en fait. Ah, merde. Ah, là où il y avait Claptrap, d'accord. Alors, avant de partir, il nous manque un enregistrement de Typhon. Ah. Donc, laissez-moi regarder la carte. Il est où? Je me demandais où c'était passé. Là, on l'a eu. Attends, je mets ma carte dans le bon sens. Il est... Bah, apparemment, il est là. Donc... bouge pas, doutez. Ah bah non, parce qu'après, il faut aller chercher le truc. Attends. Ah, parce qu'après, il y a la cachette de Typhon à aller chercher. De toute façon, on reviendra là. Donc, je fais l'enregistrement. Je suis pas très loin.
Tu fais juste l'enregistrement et moi j'attends devant le TP, c'est ça? Ouais, comme ça tu TP et de toute façon on reviendra pour la cachette plus tard. Ah bon. J'espère que tu... Putain, pour faire tout le tour si on veut remonter. C'est nul. Les ruines de Tarzandir. Je peux être du bon côté. Si. J'ai plus de place dans mon inventaire. Pour que je vende de la mer. On attend la fin avant de t'aider. Ouais, ouais. Vas-y, TP. Oui, oui, oui. Si mon inventaire le veut. Ah, attends. Captivante, si vous avez déjà rencontré l'auteur en personne. Mais quoi qu'il en soit, rien ne vaut un bon petit butin pour éduquer la plèbe. Tout à fait. Tazendur Lewin. Attends, je vous veux ma carte. Repeat after me. Tazendir Ruiz. Une chasse contre une prime. Ou des pommes de terre. Une tour radio, ah, déjà, on va au distributeur vendre toute la merde. Tant moi, faut que je fasse de la place. Là, je suis à 29 sur 37. Tout ce verre. Ah, j'ai vendu un truc sans faire exprès. Ah bah tu le rachètes. Oh, moi ça. Alors, mitraillette, 9000... J'avais un truc comme ça à une époque. 9150, 9000 en électrique, sauf que j'ai déjà l'électrique, j'en ai déjà un. Donc non. Le deuxième, hein. Comme ça, 10000. Il vaut 4000 en électrique. Voilà. On va l'inverser. Alors, je vais mettre des petits marqueurs. Donc, nous avons un claptrap qui sera tout à gauche ici. Là-bas. Voilà pour moi. Ouais, attends, je change toutes mes armes. Pistolet. 4000. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, rien. J'entends des bruits, tu te fous de ma gueule un peu. Je crois qu'elle se fout de ma gueule. Pas. Alors attends, est-ce que c'est celui dans mon truc électrique que j'avais avant? Ça devait être celui-là. Donc celui-là, je vais le garder, donc je mets en préféré. Poupida. Je vais vérifier donc. Quoi, ça comme un bon pistolet? Je ne suis pas un vrai. Ah, t'es idiot. Mais mes midocs marchent quand même. Non, pistolet, je vais remettre celui que j'ai. Fais-moi le tour ici. Voilà, comme ça je vends toute cette merde et voilà. Hop. Bibi, hé hé. Bibi, hé hé. Il y a des ennemis là-bas. Moi, je veux aller les taper. Eh ben, on est parti. Ouais. Il y avait rien à droite, là? Ouais, j'ai déjà été dans les petits trous. Créature.
au recharge. Ah, ah, il est pas élémental, celui-là. J'ai repris mon normal parce que l'autre n'était pas élémental. Comment avez-vous trouvé Necrotafeyo? Ouais, d'après Maya, c'était juste une légende. Ah, c'est ce que tout le monde pensait, sauf ma femme Leda. C'est elle qui a tout compris. Après notre mariage sur Pandore, on est parti chercher Necrotafeyo pour notre lune de miel. Et puis on s'est craché dessus. Faut dire que j'avais mis. Je viens chercher Glatrap. Alors ensuite. On va à gauche en bas ou de toute façon on n'a pas le choix. Je pivote ma carte pour savoir. On a un enregistrement tout là-bas. Ouais, faut aller dans le petit trou. C'est toi le trou. Le petit trou, la description de petit trou. Mmh. Comment te dire? C'est pas ça que je voulais faire. Ah bon. Ah, je me souviens d'ici. Non, je me souviens pas d'ici. C'était quoi la touche pour changer le mode de ton arme? C'est. D'accord, c'est bien passé. Enfin, celle-là, elle change pas de. Il y a un enregistrement, mais je crois qu'il y a une quête qui nous revient ramener ici. Bah c'est pas grave, on reviendra plusieurs fois. Aïe. Je te rejoins, petit canaillou. Oui, toi, dont le nom est synonyme d'aliment pour chat. Et chien. Et chien. De chez Intermarché. Dernière demeure. Enregistrement, il est là-bas. C'est une impasse.
On peut remonter. Attends, il y a par là aussi. C'est une impasse aussi. Bah, on retombe dans une zone qu'on n'a pas vue, remarque. De toute façon, ça rejoint un peu partout. Allez. Eh, hey, regarde. T'as des dégâts électriques. Non, bon. J'étais trop loin. Il y a un coffre. Ah. Iridien. Ah. Il y a jamais rien dans les coffres, à vrai dire. Il y a jamais rien. Gna. Bah, et du verre. Gna. Bah, il y a du verre, ça te fera 10 euros. Allez hop. Ça serait bien si ça faisait vraiment 10 euros. Ah, des vrais sous, alors là. Il y aurait peut-être moins de loot dans Borderlands, mais bon. Le jeu qui te rapporte vraiment de l'argent. C'est un truc de grosse arnaque. C'est une impasse. Ouais. Crap, purée, je sais où on est. On est dans la merde. Navigateur fait en marche arrière. Oh oui. On vient ici plus tard. Et là, t'es trop près, là. Bah, j'ai rien pris. Oh, bah, du coup, en fait, on est obligé de repasser là. Bah, ouais. Allez. Ah, attends, il y a des trucs pas ouverts. Voilà. Bon. Allez, à l'arche. Attends, à droite, on n'a pas regardé à droite. Moi, je voulais juste un enregistrement et on se retrouve à... Ah bah, je suis tombée. Tu m'as suivi et t'es tombée. Ouais, je m'en doutais. Oh, pourtant, il y a un super coffre, là. Ouais, bah, je suis tombée comme une crotte. Allez, ma crotte, ramène-toi. Tentative numéro 2. Je vais plutôt essayer de passer sur la grosse racine, là. Je sais pas si ça va marcher. Si. Voilà. Ah, c'est ces coffres-là, en fait, que... Ceux qui regardent le stream, en fait, ils peuvent gagner également le... Hein ? Le contenu. Je sais pas. Il faut connecter son compte bidule. Ah bah, évidemment, Twitch a écho. Mais j'ai toujours pas compris comment ça marche. Et... Bah là, il est censé avoir eu un truc, je sais pas. T'appuies sur le petit logo de l'extension. Eh bah, je sais, mais je sais pas du tout comment ça marche. Ah ! J'ai et t'attends. Une deuxième fois. Les souhaites. Tu vois, événement. Ah non, après c'est les Moxtail. C'est autre chose. Bon, on va juste faire un dernier tour là-bas. Ça m'a l'air d'être une impasse. Où c'est qu'il y avait pareil encore? Ah, il y a un claptrap. Ça démarrait tellement poétique et c'est claptrap. Alors normalement, bah, claptrap c'est bon, donc l'enregistrement il doit être juste au-dessus de nous. Hop. Et par là il y a rien? Bah c'est une impasse en fait. Bah si on saute, non. Il y a de l'iridium, tu te fous de qui? Regarde. Ouais, je sais, il est en haut. Tu sais quoi? Ouais. Il était pas mal. De quoi? Bah, tu fous, mais il est pas mal. Il est pas disparu. Ah bon? Et du coup, c'est bon en fait, j'ai repris le chemin. Ouais. Qu'est-ce ton enthousiasme, mon ami ? Point de sauvegarde. Attends, là, il y a des racines. Pour un coffre avec de l'air. Double coffre iridien avec iridium. Et pourtant. Attendez,
intéressait. Je leur ai rempli la tête avec tout un tas d'histoires. Je leur ai même parlé de la Grande Arche. Ah, quelle erreur! Même une légende peut devenir dangereuse entre de mauvaises mains. Ah, il est là, mon enregistrement. Enfin vous brisez. L'État a nagé dans le bonheur ici. Elle passait son temps à courir partout, à déchiffrer les ruines et à me claquer les fesses. Histoire vraie. Soudain, l'arche s'est dressée à l'horizon. Doubidoubidam. Bon, la cachette de Typhon, elle est là-bas, hein, quand on viendra la chercher tout à l'heure. Ah. Faut aller un peu galère à atteindre, mais... C'est là en fait pour l'atteindre. Ouais, ce sera mieux. Oui, fais couler le sang. Coffre iridien. Putain, j'en trouve plus la sortie de par où je suis passé. C'est là. Regarde où ta carte et où je suis et mets-toi un repère si t'es loin. T'es là-bas. Pour le coffre. T'as vu? Que je puisse bouger. Non, tu bouges pas. T'es condamné à m'attendre. Mais j'aime pas trop cette attitude. Eh, j'ai trouvé le petit trou de la suite. C'est fini Halloween, hein. Tu peux enlever ta combinaison. Hein. Ma combinaison. Je me demande s'ils savent que je l'ai déjà ouverte il y a longtemps. Pourquoi ma combinaison? Bah, de loulou d'Halloween. Je l'aime bien, moi, ma tête de loup. Bah, je sais. Mais viens avec moi. Il y a un coffre iridien. Allez, viens. À la maison, on a les coffres iridiens. Il y a des coffres de munitions, moi, quand je vais regarder dans les petits coins. Ah, c'est Maliwan. Mali Mali Wan. C'est bon là, ça passait. Wouh. Oh là. Ma bébête, elle a du mal. Bah, je sais, j'ai vu. Qui a osé faire du mal? Ah, une bébête si mignonne. Franchement. Moi, je veux la même en vrai. Ça serait trop bien la même en vrai. Attaque à tes ennemis. C'est ça. Non, hein, qui balance... t'emmerde. Hop. Elle leur balance du corrosif dans la vie. Franchement, ça serait efficace pour tout un tas de trucs. Un mec t'emmerde. Hop. Et en plus, le corrosif a plus de corps, a pas de meurtre. Hein. Je suis allé sur l'autre côté du pompon. Moi j'essaie de pas mourir. C'est bon, second souffle. Comment t'es allé? Il y a un générateur. Quoi?
Ah merde, ils l'ont mis derrière moi, les bâtards. En plus, on n'a pas fini de clean la zone, t'es parti. Mais c'est pas le pont, c'est pas la quête, le pont. Oui, t'es parti là-bas. Moi, je croyais que c'était un petit coin, moi. Plus, je croyais que c'était le pont qui était pété, moi. Oui, c'est le pont qui est pété. Je me dis, ça va être un tout petit truc, mais non. Oh non, j'ai plus de munitions pour mon arme. Bon, attends, je suis mort. Hop. Je suis mort, fin du game. Il fut un temps où la mort était considérée comme une part naturelle de la vie. Vive la science. Me revoilà, petit dromadaire. Ah merde, un nog. Brutal, ténébreux. Foutrait du nog, moi. Pour mon arme préférée. Ah si, en fait la barrière, en fait il y a une barrière mais il y a des passages de côté. C'est bien pratique. Donc on peut retourner sur le pompon. J'ai un côté où il y a un assassinouille. Bah ça va être là, non? Oui, de ce côté-là. Eh ben allons-y. Ah, des munitions. Que fais-tu, petit transit intestinal? Mais je sais pas, il m'a dit qu'un ennemi là. Ah, il y en a un qui a dû se coincer, ouais, je pense, un ennemi. Ah oui, il est là dans le sol en fait. Il n'y a que sa tête qui dépasse. Un petit peu d'aide, s'il vous plaît. Merci. Ah non, il y a ma bébête. Ouais, mais on l'a fait quand même ensemble. Oh bah merci les deux. Il faut des munitions. T'es sûr que c'est mieux d'aller par là? Eh bah allons par là. De toute façon c'est une impasse. Ah, parce qu'on peut encore aller à gauche maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ce truc là? Ça... On peut aller à gauche. Ah, je sais pas s'il y a grand chose à gauche. Un petit coffre iridien, non? Même pas? Je sais pas, j'y vais. Attention, il y a des trous dans le sol. Même pas peur. Un trou. Il y a de l'iridium. Un coffre iridien derrière. Ouais, avec du blanc. Ah, elle n'est pas tombée dans le trou, bravo! Tu m'as pas fait gaffe. Elle n'a pas fait gaffe au trou, elle n'est pas tombée dedans. C'est encore mieux. Des munitions. Des munitions. As-tu mal propre? S'ils
laisse la vie s'échapper. Putain, mais il court dans tous les sens, c'est relou, lui. Oui, bravo à toi. Quelque chose ? Oui, une patate. Et un coffre, ouais. Méga coffre. Événement de coffre rare à commencer pour vos spectateurs. Ne quittez pas, je sais pas quoi. Ça, c'était vraiment écrit tout petit. Ah, événement de coffre rare, ouais. Je sais pas, j'ai cliqué dessus. Ouais. Un truc qui... Vous avez rejoint, veuillez patienter. Alors on va voir, faut pas trop s'éloigner, c'est ce qu'il m'a dit, je crois. C'était vraiment écrit tout petit petit. La barre est pratiquement chargée. Alors, ah, vous avez gagné. Choisissez une récompense dont vous l'aurez sur votre compte chiffre. Il y en a qu'une. Enfin, moi j'en ai qu'une. Envoyé. Voilà, objet envoyé. Tu l'as eu toi ou pas ? Ouais, mais du coup je la reçois dans mon courrier, non ? Ouais, ça sera dans le courrier. Là, il y a encore une jauge. Je sais pas pourquoi. Ah, d'ailleurs, j'ai du courrier à récupérer. Ouais, je vais faire pareil. Il n'y a plus de place dans votre inventaire, merde. Je vais jeter des machins verts. C'est quoi ? Voilà. Mali, mali, one. Voilà, j'ai fait de la place. Tu vois, ça fonctionne. Première fois qu'on le voit fonctionner, le bordel. Et du coup, moi, j'étais dans mes messages à essayer de récupérer. Attends, faut que je vende, je balance du vert aussi, moi, parce que... Alors, hors niveau, oh, attends, j'ai niveau. Pas du blanc. Ça, c'est mon niveau. Oh là là. Eh, hey, du calme, là. Hors niveau, hors niveau. Hop. Voilà. J'ai fait un bon truc. T'es où ? J'ai encore du chemin à faire avant de pouvoir m'en servir. Sur le chemin, j'ai jeté un truc bleu, tu regarderas si tu l'as pas eu. Merci. Là où je suis. On va sur le pompon ? Ouais, j'arrive. Sous le, là où je suis actuellement, il y a un petit truc bleu, tu regarderas, c'est un truc de couleur, moi je l'ai déjà, tu dois déjà l'avoir. Ah, c'est peut-être celui que j'ai récupéré. Et que j'ai activé. Déjà connu. Le pompon. Du coup, c'est chelou parce que j'ai un enregistrement, mais il est sur la carte, mais dans un trou paumé. En fait, il y a toutes les cartes, faudra qu'on revienne. Normal, le pompon au final. Alors, apparemment, au bout, il y a une tour radio. Ah. Je cours derrière. Je ne suis pas fait de sang, alors je prends le tien. Alors, me suis pas parce que je viens de tomber comme une merde. Elle est tombée dans le trou. Non, j'étais pas loin, je suis. C'est bon, c'est bon, charger mes armes. Purée, mais je suis atterri où ? Je suis super loin. Oh, je suis super loin, je suis retournée au tout début là.
Le temps qu'on fasse toutes les zones. Il y a plus d'ennemis. Non, par contre, je cherche comment on pète ce général, ce champ de force à la con. T'es pas tombé. Ah non, c'est fait exprès. On refait pas la même que tout à l'heure. Ah d'accord, c'était là que tu voulais aller. Enfin, je crois, hein. Ouais, ouais. Ça serait plus logique. Et après, tu vas où? Ah, en arrière. Facile! Coffre iridien. Ils vont devoir propager leur saloperie à l'ancienne. Moxie vous a envoyé un courrier. Je vais pas le récupérer parce que c'est un truc que j'aime pas. C'est où que tu m'as dit qu'il y avait un coffre? C'est à l'intérieur là, t'es où? En bas. L'intérieur. Ah, je suis en bas. Faut aller en bas. Comment t'es monté en haut? Ah, t'es passé par là. Ben, retourne en bas. Putain, il veut pas monter. Ah, l'hiver. Ça a changé beaucoup. De cette musique. Ouais. Je sais pas qui c'est qui l'a mis encore. Ah là 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 là. Il y a rien du côté où j'ai été, hein. Donc on peut faire demi-tour. Eh bien, allons-y. Allons-y. Et il nous manque juste... Bah... Je sais pas si tu regardes sur la carte, il y a un morceau de carte qui est seul, tout à droite. Et bah, il y a un enregistrement là. Attends, j'essaie de voir. Tout seul à droite. Ah oui, tout là-bas, d'accord, ok. D'accord. Ah bah, ça promet, ça va être sympa. Toi, t'as avancé, t'étais pas sur l'ennemi du tout, t'as avancé quoi. Voilà, je vous attends. J'aime quand ça démarre comme ça. Alors ici il y a peut-être des choses. Je regarde. Bah non. En fait, à part l'enregistrement qui est tout au bout du bout du bout. Il faut juste taper les méchants. Rien que ça.
jusqu'à l'arche. Je sais le faire marcher. Ouais, mais voilà le problème. Il manque deux cristaux à l'ascenseur. Tout marche avec des cristaux par ici. Oh, tiens, t'en as un là-bas. Vas-y. Ah, c'est moi qui l'ai vu. Ouais, je l'ai vu en premier. Non mais tu sérieux. Super, mais je me demande où est le deuxième cristal. Allô, le commandement. J'ai localisé le dernier cristal. Général Trump, vous me recevez? Est-ce que je dois continuer vers l'arche ou... Non, merde, le chasseur de l'arche. Putain, mais je lui mets pas beaucoup de dégâts celui-là. En plus, il te kiffe. Et voilà. Qu'est-ce que c'est bien que ma bébête elle me ressuscite. Ouais, j'ai vu. J'ai eu le cri-cri, j'ai eu le satal. Chaud lapin, ce typhoon. Typhoon Léoun. Tout ce qui reste sur cette planète, c'est de la poussière et des démons. Crois-moi. Brouille-toi, chasseur de l'arche. La clé est un peu plus loin. Des distributeurs. Et ça, c'est bien, les distributeurs. Super, ah, ouais. Le destructeur sera bientôt là et quand je l'aurai aspiré, je deviendrai une déesse. Je sais que tu m'écoutes, papa. Est-ce que t'es fier de ta petite fille? Kyrene? pardon, tu comptais pas leur dire, c'est ça, papa? Oups, et ben mon petit rapace, devine qui nous a appris tout ce qu'il fallait pour pouvoir détruire cette galaxie petit bout par petit bout. Typhon de Léon, le premier chasseur de l'arche. Ah, et au fait, papa, Troy est mort, tué par le rapace. Alors, amusez-vous bien. Chasseur de l'arche, les gardiens savent que tu es là, repousse-les. On se parle plus tard. Soutiens les petits commerçants. Vends à Marcus. Je fais du tri un peu, hein. Un oui, moi aussi, ça. C'est un bordel. Ouais, j'ai peut-être un bouclier qui est peut-être pas mal. J'ai le double en tu sais, le truc de capacité, le truc merde, de classe, là. J'ai le double et le mien. Tu m'entends bien? J'ai l'impression que ça grésille. Un petit peu, ouais. Ah. Seulement. Faut me le dire. Faut pas hésiter à me dire quand il y a des trucs bizarres. Bah, ça vient de commencer en fait. C'est mieux là ou pas? Ouais, ouais, ça a l'air, bon. Ouais. Oh là. Vivement que le Papa Noël passe et que j'ai un nouveau casque. Le bleu sur le garage. Si ta gâchette fait clic, faut que tu remplis. Allez hop. Moi, ouais, c'est quand vous voulez. Ouais, ça me semble pas mal là. On peut y aller. Ah, il faut ouvrir les salles sur le côté. Ouais. Ouais. J'aurais dû lui poser tellement de questions tant que je le pouvais. Par exemple, pourquoi le mot pour planète d'origine signifie-t-il aussi premier atterrissage? Il y a quoi ici? Il y a rien.
Bah, je crois pour écoute. Oh, la déception. Ils auraient pu mettre un cadeau des deux côtés. Ouais. Ou un caca d'un côté et un dodo de l'autre. Non ? Bon, tant pis. Parfois on est le chasseur et parfois on est la proie. Tu as tout compris. Il y a la masse de munitions à gauche. Ah oui. Tu t'en rends compte, non? Je vais briser ce cristal. Ouais, j'ai beau avoir du stock pour cette arme-là, ça part vite. Hein. Ah là là, que d'aventure avec Typhoon de Léon. Aïe. Furby vol. Ah non, c'est pas ça, bien. On m'a encore menti. Il y a des trucs, non? Non. C'était que des coffres de munitions. Là, y a rien dans le coin. Oh! Une pinata est apparue. Elle est où? Je sais pas. Elle est là! Là, 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 là. Ah ouais. Dépensez votre point de compétence. Berserker, ça me rassure pas ça. Mais non. Il faut des balles. Bon, je suis à l'arche, mais je vois pas la clé. Tu pensais quand même pas que j'allais la laisser comme ça? Je l'ai planqué. Il y a un appareil iridien bizarre là-bas. Active-le et je te rejoindrai. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on cause. Ah, il y a de l'iridium là-bas. Ah, il est apparu. Et un coffre. Lida et moi, on a vaincu ce monstre ensemble. Viens, on va lui dire bonjour. Suis-moi, chasseur de l'arche. On y est presque. Le joueur du vert. Ah non, il est bleu. Parler de Troy. Ouais, écoute, je sais très bien ce qui se passe en ce moment. Troy et Irene, mes enfants. C'est devenu des monstres. Ça sert à rien de se voiler la face. Et toi, t'es un chasseur de l'arche. Tu tues les monstres. C'est aussi simple que ça. Écoute, je me réjouis pas de la mort de mon garçon. Mais au moins, il fera plus jamais de mal à personne. Typhon, pourquoi vous nous avez pas dit que les Calypso étaient vos enfants? Oula. Je voulais le faire, et j'aurais dû. Mais je trouvais pas les mots. Ce que mes enfants sont devenus, c'est ma faute. Et j'ai peut-être condamné la galaxie, mais hors de question que ce soit. Merde, j'ai jeté un. Oh, c'est pour moi. Après la mort de leur mère, j'étais angoissé à l'idée de les perdre eux aussi. Alors je les ai gardés ici. Je pensais qu'ils seraient heureux, mais ils ne peuvent que regarder le ciel rempli d'étoiles qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Pour moi, cette planète suffisait. C'était la récompense qui couronnait ma chasse. Pour eux, ce n'était qu'une cage.
J'allais dire, c'est pas Typhoon qui fait des dérapages quand même. C'est une cassette. La clé, elle est avec elle. Elle la protège. Allez, vas-y. Ok, bon. Oh merde, ça a marché. On va pouvoir faire repartir le vaisseau. J'ai jamais douté de toi, Troy. Cache les pièces près de sa tombe. Sa tombe ? T'es sûr ? S'il trouve les pièces, il va les détruire et on sera coincé là pour toute la vie. Le seul endroit où il va jamais sur la planète, c'est sa tombe. Tu veux quand même pas lui gâcher la surprise, Troy ? Pas dans sa tombe, chasseur de l'arche ! La pierre tombale ! Ah ! Ouais, j'aurais pu être plus clair. C'est bon, c'est bon. Ok. Ouh, c'est fait. Prends la clé. Bien. Et maintenant, l'arche. Comme je disais, Leda et moi avons déjà tué le monstre. Mais je voudrais te montrer un truc. Quand on a découvert les tatouages de Troy et Tyrene avec Leda, on a su qu'on devait les protéger. Les sirènes. Oh, y a rien de plus rare dans l'univers et on en avait deux dans nos bras. Si on voulait qu'ils survivent, il fallait qu'on reste ici. Pour toujours. Mais bien sûr, c'était pas si simple. J'étais peut-être un aventurier du tonnerre, mais comme papa, zéro. Et si t'élèves pas bien tes gamins, quel genre de héros tu es? Écoute, ce qui vient ensuite, ça va pas être facile. On n'aura qu'une chance. Mais il faut que je réussisse. Pour Leda. Je mets la boule! Elle a mis la boule. C'est le virus du Covid-19. Putain, il est là. Téléportation. On va voir l'enregistrement peut-être. Bah je sais, ouais, c'est sûrement ça sur la carte. Ouais, il y a mon repère. Ça consomme de l'iridium. Après avoir envoyé la bête, Toton, on a fait la bête à Toton. Retourne voir ton équipe. Moi, je vais à la machine. Et puis, d'un chasseur de l'arche à un autre. Ah, combien d'aller au sanctuaire. Pour pouvoir accéder à la machine iridienne, je dois charger cette clé. Rapportez-la à sanctuaire. Attends. Que je fasse quoi? On se re-TP au début du niveau. Si tu veux. Comme ça, on va récupérer la cachette tout de suite. Les premiers jours, j'ai cru qu'il allait mourir. Et paf, ça sera fait. Ah, il faut qu'on se TP individuellement, d'accord. Oui, pour ça, ça c'est... Quand on n'est pas aidé, hein. C'est... Oh putain. Attends, il y en a au moins pour une demi-heure. Comment tu reviens au truc avant? Sélectionne. Non, parce que là, tout ce qu'il me propose, c'est Sanctuary en fait. Donc je. Je sais pas où tu reviens. Attends. Ferme le menu et rouvre-le avec la carte et tu sélectionnes. Putain, quelle grosse merde ce truc. Niveau ergonomie, c'est quand même de la merde. Ah non, non, mais attends, c'est distributeur. C'est un coup à prendre. Moi, j'ai c'est même pas qu'un coup à prendre, l'ergonomie elle est pourrie, t'as pas de coup à prendre si l'ergonomie est correcte. Ah, les ennemis ils ont rien paru. J'irai sur Sanctuary au distributeur parce qu'il faut que je mette des trucs dans le coffre. Prenez le bus et venez chez Marcus. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire là? Elle récupère la cachette de Typhon. Ah. Bon, elle est pas à côté, c'est ça qui est un peu chiant. Ah.
Typhounette de Léonide. Alors, donc, fallait aller dans le petit trou. Le fameux. Ouais, le fameux. Putain, j'aime pas ces bestioles-là, là, qui explosent à la figure. Ouf, c'est rien, ça. Fais entendre ta colère. Wouah, le bon que j'ai fait. Ouais. C'était un bonbon. Une fin minable pour une place minable. Ah, je suis bloqué. Je vérifie sous chaque cascade. Mais il n'y a jamais rien. Non. Le ciel donne les mauvaises directions, on va pas s'en sortir. Là. Alors, il faut trouver le petit passage. Le petit passage. Il est là. Alors là, il faut pas tomber. Là. Bon, je récupère tout comme ça. Hop. Et je TP à 5 carrés. Ouais. On fait des ouais, petits trucs à Sanctuary puis on arrêtera. Yep. On a une autre quête à valider. Une chasse contre une prime. Je pourrais acheter des jouets à mes petits. Faisons donc ça. Vous arrêtez jamais, chasseur de l'arche. Pense à vider ton coffre de récup. Si je sais pas si j'aurai de la place. Ah si, Romain, je pensais que j'étais plus fou que ça. C'est allumé ça ? Test 1, 2. Salut, chasseur de l'arche. On a une opportunité pour toi. Tu peux pas rater ça. C'est sûrement l'histoire du massacre à truc. Alors, avant, je vais voir Marcus. J'ai déjà du mal à rembourser mon crédit. Pour faire le tri. Parce que le tri... C'est important. C'est important. Et j'ai encore vendu un truc sans faire exprès. Ça, c'est moi. Je boirais bien du lait avec là, maintenant. Et donc, t'as pas test la super arme Iridium ? Ah, c'est beau. J'ai déjà test quand je l'ai eu la première fois. Je vais aller dégager tout plein de trucs dans mon coffre, par contre. Ça donne plein d'armes vertes, mais c'est trop bien. Les meilleures choses de la vie sont gratuites. Ce qui permet de faire une belle plus-value. Sois maudite, Tyrine Calypso ! Sois maudite ! Maudite ! Alors, niveau. Money! J'ai les meilleurs plans de ville. Si ta gâchette fait clic, faut que tu répliques. Ici, on ne juge pas. J'ai croisé quelqu'un de bizarre qui sautait. je comprends pas. Voilà! Ah, j'ai fait plein de place dans mon inventaire et j'ai plus rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux acheter ? Ah, mais je peux plus augmenter mon sac à dos, ça coûte 3 millions. J'ai plus de sous. Eh ben, c'est bien con. Je vais améliorer ça. Ça, puis ça. Oh là là, je suis vraiment pauvre. Puis ça. Pauvre de chez pauvre. Puis ça.
Ouais, rejoindre le massacrateur. Ouais, on a... Il y a un mec qui m'a coincé dans les escaliers. C'est réservé aux acheteurs sérieux, ici. Regarde, il est genre en plein milieu. Génial, tu sais frapper aux portes. Tu veux quoi, une putain de médaille? Civil de Prométhée, oui, bah Prométhée, c'est pas ici, ici c'est Sanctuary. Ah, le salaud, j'ai plus qu'à faire le détour, quoi. Aller au labo de Tanis. T'es où? C'est pas grave, de toute façon, on va arrêter là. J'étais avec l'Iridium, là, en bas. Ah non, tu lances un truc. Vous m'avez rapporté cette mèche de cheveux de Typhon? Bah attends. Je suis au niveau de Moxie. Je donne la clé Covid. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? C'est une sensation, comme ça. Dégoûtant. C'est quoi ces trucs? Je sens plus peau de cornichon. J'avais jamais remarqué ça. Ça a marché? Tiens, je sors de l'arche. Cadeau. Ah, c'est des clés de l'arche. Comment on sait que cette machine va faire ce qu'elle est censée faire et pas... Mettons, exploser l'univers tout entier. La machine a déjà marché une fois, en enfermant le destructeur au cœur de Pandore il y a des millénaires. Si Tyrin absorbe la créature, elle deviendra peut-être vraiment une déesse. Après tout, qu'est-ce qu'un dieu si ce n'est l'être le plus puissant de tout l'univers? Alors, soit la machine fonctionne, soit tout le monde mourra. Vous devriez aller voir Tanis. Si quelqu'un peut la faire marcher, ce sera vous. Vraiment? Et travailler de concert avec Typhon de Léon. Si vous insistez, Lilith. C'est bien parce que c'est vous. Je crois en vous, Tanis. Et je vais pas du tout fouiller votre labo pour trouver des trucs iridiens pendant votre absence. Quel soulagement. Prépare-toi, chasseur de l'arche. Et va retrouver Typhon à la machine. Avant qu'il soit trop tard. Cette écriture m'évoque quelque chose. Imagine, t'as des gamins qui tournent aussi mal que Troy et Tyrion. On est good? Yep! En plus, j'ai fait mon tri. Eh bien, à la prochaine!